La banane plantain et ses bienfaits. La banane plantain, une espèce hybride de banane, permet de traiter diverses maladies et troubles, dont la maladie de Crohn. D'un apport faible en glucose, la banane plantain a une propriété antioxydante. La banane plantain ou Musa parasitica pour les botanistes, ou tout simplement plantain, est originaire d'Afrique, des Caraïbes et de l'Amérique latine. Plante de la famille des Musacées, cette espèce est le fruit d'un mélange entre deux espèces, le Musa acuminata et le Musa balbisiana. Le plantain ne se mange pas en dessert, comme les autres espèces de bananes. Mais on le fait cuire ou bouillir, il sert d'accompagnement aux plats à base de viande, de poulet ou de poisson. En Côte d'Ivoire, la banane plantain est utilisée pour préparer le foutou banane. Mais la banane plantain n'est pas seulement savoureuse, elle dispose aussi d'une valeur nutritive hors du commun et a la capacité de soigner efficacement et, ou prévenir un certain nombre de maladies. Grâce à sa teneur élevée en glucides, la banane plantain constitue une source d'énergie essentielle dans les rations alimentaires de certaines populations. Son apport énergétique est de l'ordre de 120 calories, 500 kJ, pour 100 g de banane plantain cuite. En raison de la forte dominante des glucides complexes, amidon, et d'un taux élevé de fibres, 5,8 g au 100 g, cette énergie est progressivement libérée dans l'organisme. La banane plantain peut ainsi jouer dans l'alimentation le rôle d'aliment glucidique de base. Elle en possède d'ailleurs une autre caractéristique, très appréciée, une bonne capacité à satisfaire l'appétit. Son pauvre taux en glucose permet de maintenir l'équilibre gastro-intestinal. En effet, la banane plantain constitue un bon remède pour stopper les diarrhées chroniques chez les enfants et les nourrissons. Et ceci dans les premières 48 heures. En associant cette banane, cuite avec du riz ou avec de la pectine, on a endigué l'évolution de la diarrhée, lors des études menées dans zones défavorisées du sud-est asiatique. Grâce également à la leucocyanidine, un flavonoïde extrait de la banane plantain, on freine le risque d'érosion de la muqueuse de l'estomac après un traitement à l'aspirine. Donc, le plantain réduit la probabilité d'avoir un ulcère. La banane plantain est très riche en vitamine C. Cela signifie qu'elle peut renforcer le système immunitaire et aider le corps à réduire les infections. La vitamine C protège également contre les maladies auto-immunes, qui touchent notamment les femmes. Les plantains contiennent aussi de la vitamine A, essentielle à la santé de la peau et des yeux, car elle permet aux membranes muqueuses de fonctionner correctement. C'est en grande partie la raison pour laquelle le savon noir authentique, utilisé par les femmes africaines depuis des siècles, contient souvent de la peau de banane plantain. Très récemment, on a découvert que la banane plantain permet de guérir les patients atteints de la maladie de Crohn. Cette maladie touche notamment les pays développés, par l'alimentation parfois pauvre en fibres. Le plantain est riche en fibres solubles. Les patients, en consommant régulièrement cette banane, retrouvent progressivement la santé. Ceci grâce en partie aussi aux propriétés antioxydantes de la plante. On note aussi un fort lien entre protection contre le cancer du rein et consommation régulière de bananes plantain et des bananes en général. Et pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol, le plantain freine l'oxydation du mauvais cholestérol. La banane plantain intervient également dans la guérison des plaies, notamment les plaies au niveau des lobes d'oreilles. Pour cela, on épluche des plantains non mûrs, et on fait noircir leurs épluchures à l'aide de braises. On obtient ensuite une poudre noire que l'on mélange avec de l'huile rouge de noix de palme. Et on applique le tout sur la plaie. Le plantain contient aussi ce qu'on appelle l'amidon résistant, un composé qui provoque la perte de poids chez les personnes souffrant d'obésité. Et chez les patients diabétiques, cette propriété aide les cellules à mieux absorber l'insuline. Il est également recommandé que les femmes enceintes mangent des aliments comme la banane plantain. Le fruit est riche en acide folique, ainsi que d'autres nutriments dans le groupe folate, comme la niacine, la thiamine et la riboflavine. Ceux-ci sont tous nécessaires au bon développement nerveux et cérébral d'un bébé dans l'utérus. Le fruit est également un diurétique naturel et soulage la douleur et les ballonnements, en particulier pendant le cycle menstruel, en raison de sa teneur élevée en potassium.
La banane plantain, riche en magnésium, peut aider à réduire les risques de maladies cardiaques mais est également nécessaire au renforcement des os et permet de diminuer les chances d'ostéoporose chez les hommes comme chez les femmes. La poudre de banane. La poudre de banane contient beaucoup de sucre, ce qui lui donne la capacité de prévenir la déshydratation des cheveux secs et des peaux de nature sèche. Elle booste la croissance des cheveux, adoucit la peau et les cheveux, grâce à ses minéraux et vitamines qu'elle contient, elle peut être aussi utilisée après rasage. La poudre de banane mélangée avec celle des grains de tigré est utilisée pour traiter l'ulcère de l'estomac et les plaies de ventre mais aussi pour stimuler l'appétit sexuel. Comment fabriquer la poudre de banane? A. Prenez une banane très verte, si elle est mûre, elle doit être très ferme. B. Vous la coupez de façon qu'elle soit très fine, vous mettez dans l'eau au fur et à mesure que vous coupez. C. Séchez-la ou mettez-la au micro-ondes, et la sortir à chaque fois que le micro-ondes s'arrête pour voir si elle a séché, parce que le but c'est de la déshydrater. D. Une fois qu'elle est sèche, vous la mettez dans le mixeur sans eau, ou soit la pilez avec un mortier sans tiare marche aussi, mais c'est un peu long. Dès qu'elle devient un peu poussière, vous la sortez du mixeur et la passez à la passoire, où vous la tamisez, pour récupérer la poudre. F. Elle doit passer à la passoire au moins 3 à 4 fois, et jeter les déchets restants. Faites en bon usage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.